Türklerin desteklediği ve yakından tanıdığı bir isim, takdir ettiği bir isim. Bunu neye bağlıyor kendisi? Kendisine soracağız şimdi. Monsieur Moer, les Français d'origine turque vous apprécient tout particulièrement. Comment expliquez-vous cela? Très concrètement, parce que j'ai envie qu'ils soient mieux connus, mieux reconnus, mieux respectés aussi. Et donc ma mission également, c'est de les présenter au maximum de personnes et de faciliter leur développement et leur contribution à la vie du pays. Türkleri destekliyorum. Açık ufuklu bir insanım ve hedefim onları en iyi şekilde tanıtmak, gelişimlerine de destekte bulunmak diyor Monsieur Moer. Türkiye'ye hiç seyahat ettiniz mi? Avez-vous déjà voyagé en Turquie? Oui, dans les grandes villes notamment, bien sûr Istanbul, Ankara, la capitale, à Bursa, qui est une capitale économique aussi, à Kayseri bien sûr, puisqu'il y a un partenariat de Strasbourg avec Kayseri, j'ai pu monter aussi sur le mont Erciyes, Trabzon aussi, au bord de la mer Noire, et puis comme touriste aussi à Alanya, donc une diversité de la Turquie qu'on peut apprécier de multiples façons. Sayın Moer, İstanbul, Kayseri, Ankara gibi şehirleri ziyaret etmiş ve Alanya'ya da gitmiş kendisi turistik bölgemize. Türk mutfağına hiç tattınız mı? Avez-vous déjà goûté la cuisine turque? Je la goûte et je l'apprécie beaucoup parce que c'est une cuisine traditionnelle qui me rappelle la cuisine que faisait ma maman. Et donc c'est une forme de retour aux sources avec des produits traditionnels que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc notamment la macchoun, mais le börek, le ner bien sûr. Je suis très friand du helva aussi. Voilà, c'est mon dessert, c'est un peu mon péché mignon. Voilà, puis également la boisson au lait, Aylan, voilà. Et je crois que ça permet, voilà, de passer des bons moments à table en toute convivialité. Sayın Moer Türk mutfağına yakınmış, tanıyormuş. Kendisi börek, lahmacun, döner yemekten hoşlanıyormuş. Ayrıca ayranı çok seviyormuş ve helvayı sık sık yiyormuş sabahları. Sayın Moer, Türklerin eğitim seviyesini nasıl değerlendiriyor? Quelle est votre analyse du niveau d'éducation des Turcs? Ils sont très soucieux de permettre à leurs enfants d'avancer dans l'éducation et donc à la fois très friands de soutien scolaire, très soucieux de la scolarité de leurs enfants aussi. Et je crois qu'ils ont compris parfaitement que si eux-mêmes sont venus ici souvent comme ouvriers, ils ont d'autres ambitions pour leurs enfants aussi et sont prêts à investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour la réussite scolaire de leurs enfants. Et je crois que c'est vraiment une sorte d'encouragement pour tout le monde aussi de savoir que l'éducation prime avant tout. Ebeveynler daha doğrusu çocukların eğitime oldukça önem veriyorlar. Zira kendileri işçi kesimi olarak geldilerse bile Fransa'ya şimdi çocuklarının geleceğine eğitimine yatırım yapıyorlar. Şimdi Türklerin Fransız siyaset arenasındaki önemini soracağız. Quelle est l'importance des Français d'origine turque dans l'arène politique? De plus en plus grand, puisqu'il y a quelques années, il fallait aller les chercher plutôt pour être sur des listes. Aujourd'hui, ils se présentent à la fois eux-mêmes pour être sur des listes et ils n'hésitent pas à conduire eux-mêmes des listes. Et donc, je crois que la volonté d'engagement est très forte aussi. La capacité à assumer des responsabilités est très affirmée aussi. Et c'est ce que je dis toujours, dans les villes moyennes, dans les grandes villes, eh bien, ils prennent vraiment la mesure de leur engagement. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une vraie génération qui émerge et qui prendra encore plus et plus de responsabilités. Türkler gitgide siyaset arenasında önem kazanıyorlar. Eskiden onları aramamız, bulmamız gerekirdi. Fakat artık kendileri liste açıyorlar, kendileri aday oluyorlar ve gitgide ülke siyasetimizde gerçekten önem kazanıyorlar. Sayın Moer, Türk kadınlarını nasıl değerlendiriyor? Quelle image que vous avez de la femme turque? Deux images, celle des mamans plus traditionnelles qui assumaient les charges familiales traditionnelles et puis celle des jeunes femmes engagées maintenant dans la vie économique notamment, qui ont envie de prendre des responsabilités, qui le font très bien. Et je suis certain que cette volonté d'aller de l'avant également se reflétera dans l'engagement public et politique, donc une nouvelle génération qui perce et qui prend toute sa place. Geleneksel anneleriniz var, ev hanımları olan anneleriniz. Öte yandan da daha aktif, genç, dinamik, hem siyaset arenasında hem de ekonomik alanda başarı kaydeden, yavaş yavaş gelen hanımlarınız var. Şimdi Ticaret Odası Başkanı Monsieur Öğle ile birlikteyiz. Türklerin entegrasyonuyla ilgili neler söyleyecek?
Alors, en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Alsace, parmi les 62 000 entreprises qui sont concernées, un certain nombre d'entre elles sont aux mains de ressortissants d'origine turque. Et ces entreprises sont parfaitement intégrées dans le tissu économique et leurs dirigeants sont parfaitement intégrés au sein de toutes les organisations professionnelles. Bölgemizde 62 bin şirketimiz mevcut ve Türk iş adamlarımız oldukça yoğun ve başarılılar diyor Monsieur Ali. Ve şimdi Çin Başkonsolosumuz Sayın Song ile birlikteyiz. Et vous, qu'allez vous dire par rapport justement aux Turcs? Non, aux Turcs, c'est parce que j'étais là plusieurs fois. Turcs, c'est un très joli pays et a de très bonnes relations avec la Chine. Je vois les Turcs, les gens très bien. Je contacte souvent avec votre consul général ici. Türkiye çok çok güzel bir ülke. Biz Çinliler olarak Türklerle çok güzel irtibatlarımız mevcut ve Sayın Başkonsolosu da sık sık görüşüyoruz. Türk insanlarını çok seviyorum diyor Sayın Çin Başkonsolosumuz.